Donc pour cette recette, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de graines de chia, un avocat ainsi que 240 ml de lait. On va s'occuper tout de suite de notre avocat, on va venir le couper en deux. Il faut donc un avocat bien mûr. On va venir avec le couteau enlever le noyau. Ensuite, avec une grosse cuillère, on va pouvoir donc le vider. Donc cet avocat, on va pouvoir venir le couper en grosses tranches et ensuite en gros cubes. On va se garder un petit morceau d'avocat donc sur le côté pour la finition du plat. Ensuite, dans un pot assez haut ou alors dans un blender, on va verser nos avocats. On va y ajouter la moitié du lait et on va pouvoir mixer. Et si ce n'est pas encore fait, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker et activer la petite cloche pour ne louper aucune recette. Voilà, on va vite obtenir une purée bien lisse, bien homogène. À ce moment-là, on peut y rajouter le reste du lait. On continue à mixer. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on rajoute nos graines de chia. Les graines de chia donc, ont un pouvoir assez exceptionnel au niveau nutritionnel. On peut y rajouter aussi notre miel. Voilà, donc vous trouvez vraiment tous les éléments nécessaires pour commencer une journée idéale. Donc en composant cette recette en style de petit déjeuner, vous aurez donc vraiment tout ce qu'il faut pour être en forme et attaquer cette journée du bon pied. Voilà, donc on va encore continuer à mixer toute cette préparation. Voilà, donc là j'ai opté pour un dressage donc dans un grand verre style verrine. Voilà, vous pouvez aussi le conserver dans une boîte hermétique et le consommer tout au long de la journée. Le morceau d'avocat qu'on avait gardé, on va le couper en fines tranches, on va venir le disposer donc sur le dessus. On va venir y disposer une petite fleur pour la déco. Et voici donc mon pudding graines de chia et avocat. Recette fraîche, healthy et simplissime. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, liker. Bon appétit !